Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Chris, et aujourd'hui on se retrouve sur Infamous, donc le premier du nom. Alors je vais m'expliquer pourquoi. J'aurais pu faire une vidéo sur le nouveau, j'aurais fait, mais j'ai pas de PS4 parce que j'estime que pour l'instant il n'y a pas assez de jeux sur la PS4 pour l'acheter plutôt. Parce que Infamous est sûrement très bien, mais je pense pas qu'il vaut un achat de la PS4. Je pense pas que c'est un jeu qui vaut 400€. Donc voilà, j'attends vraiment d'autres sorties de jeu. Donc aujourd'hui sur le 1, parce que le 1 est le premier Infamous que j'ai fait, du coup, logique. Et je kiffe ce jeu. J'ai surkiffé ce jeu. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire une petite vidéo. Ça se trouve, ça va durer 5 minutes, hein, mais. Et voilà, donc je refais exprès le jeu pour la vidéo parce que j'avais fini le jeu à fond, donc il n'y avait plus grand chose à faire. On dirait un vieux zombie là, comme ça. Ben, je vais te manger. Là, par où faut aller? Attendez. Le truc jaune là? Oh non, pas le truc jaune. Pas du tout le truc jaune. Ah non, c'est là tout simplement. Je suis complètement con moi. Ah, bah en fait on va pas aller là. Oh, je suis un peu électro dans Spider-Man au final. Yeah, je suis EDF Man. Pendant tout ce temps où j'ai perdu connaissance, je pouvais presque, comment dire, entendre les supplications des mourants. Des innocents écrasés sous les décombres d'immeubles ou brûlés vifs dans les flammes. Trish a perdu sa sœur et a failli me perdre. Zek est resté à mes côtés, persuadé que j'allais enfin me réveiller. Alors que dehors, la ville tombait en ruine. Une épidémie a suivi. Puis des violences, des pillages, des viols, le suicide de toute une civilisation. En utilisant le prétexte bidon de contenir la menace biologique, le gouvernement a bloqué tous les accès permettant d'entrer ou de sortir de la ville. À présent, on est en cage avec ces malades. Les flics font tout sauf patrouiller dans les rues. Soit ils sont morts, soit ils n'ont pas les burnes d'affronter tous ces groupes qui ont pris le contrôle de la ville. Dehors, tout allait mal. Mais à l'intérieur, quelque part en moi, une force grandissait. La peur me hantait au début. Je dois dire que je n'avais personne à qui en parler, aucun expert à consulter. Désormais, j'apprends à contrôler cette force, à la maîtriser. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Yeah, je vous ai laissé la cinématique parce que je la trouve tellement stylée. Et c'est des cinématiques comme ça pendant tout le jeu. Et je trouve vraiment, en plus, avec le mec un peu à électro tout à l'heure, comme je disais, ça fait vraiment un héros Marvel un peu. Enfin, un super-héros, quoi. Et ça le fait trop avec les cinématiques, tout ça. Enfin, moi j'adore. Je suis amoureux de ce jeu. Et je n'ai pas encore Infamous 2, donc c'est quand je veux pour l'acheter. Et en fait, quand je veux l'acheter, bah à chaque fois, je trouve un meilleur jeu à acheter. Et du coup, je prends pas. Mais je vais l'acheter et on le fera aussi en let's play s'il me plaît. Oh, c'est l'heure des Looney Tunes. Oh, c'est l'heure de l'émission. Ah oui, alors ça par contre, c'est un truc. C'est marrant, mais j'ai jamais compris le principe. C'est marrant quoi. Alors dans le jeu on a le choix entre soit être gentil, soit être méchant, donc soit être un héros, soit être un enculé. Moi la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai fait un peu des deux. J'ai été méchant pour voir ce que ça tenait, puis je suis revenu gentil. Pendant le let's play qu'on fera, on sera un méchant. Parce que je veux voir ce que ça donne vraiment 100% méchant. Parce que j'ai fait un peu 100% gentil la dernière fois. Faut que je saute. C'est parti. Ouais. Yeah, ça c'est un truc trop kiffant, ça que j'ai kiffé. Un truc trop kiffant que j'ai kiffé. Mais qu'est-ce que je raconte? Madame. Boum. Quoi, t'es pas morte? Ah si, j'ai eu peur. Alors faut que je fasse quoi? Que je pète la bagnole? Ah non, faut que je les soulève, c'est vrai, on pouvait faire ça. Bah attends, je voulais encore faire plus. Allez, cours. Cours, 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 cours le gros. Cours le gros, cours. Cours le gros, cours. Allez, avance. Avance plus vite que ça. Ah non, mais allez, avance, je déconne. Oh là, c'était une blague. Qu'est-ce que tu fais, Zek? Eh, lève-toi! Eh, on est arrivé. C'est coincé là-haut. Oh, bah attends, je vais aller le chercher. Ah, attendez, vous voulez un petit indice? Alors là, pour ceux qui suivent ma chaîne, on fait un let's play sur One Piece Pirate Warrior.
Je vais vous donner un indice sur le prochain let's play. Voilà. Hop. Alors là, attention. Laissez passer un peu le pro. Donc là, le métal rouillé se désintègre lorsqu'il est soumis. Ah oui, d'accord. Donc faut que je tape le métal. Tac. À table, il y a des méchants en plus. Alors eux, c'est les faucheurs, donc c'est des mecs, les mecs qui contrôlent. Je vais montrer la map. C'est les mecs qui contrôlent ce bout d'île, ce quartier, on va dire. Et il y a plusieurs îles, donc ça va. C'est une map plutôt cool pour un jeu de la sorte. Ah, mais c'est tellement kiffant ce jeu avec nos super pouvoirs là. Attendez, il y en a où? Hey, envolez-vous. Prenez-vous pour des oiseaux. Là, il y en a d'autres. À l'attaque. Il est mort. Oh, lui, il avait bugué. T'étais en train de nous danser de la tectonique ou quoi? Ah, voilà, là, c'est ce que je vous expliquais. On peut être soit du bien ou du mal. Donc là, c'est simple. Soit je prends la nourriture pour moi et je fais fuir les autres avec mes pouvoirs. Soit je laisse les autres prendre de la nourriture. Et ils peuvent manger et ne pas mourir de faim. Moi, on va faire le sympa pendant la vidéo. On va les tuer. Voilà, non mais voilà, faut dire ce qui est. Mauvaise action. Mais oui, mais je suis quelqu'un de très méchant, moi, au fond. Voyou. J'irai pas jusqu'à là non plus. Quand on est du bien, on a l'électricité bleue. Et quand on est du mal, on est dans l'électricité rouge. Mauvais mangeur. C'est vrai. Je suis plutôt quelqu'un de mauvais mangeur dans la vie de tous les jours. Les gens meurent de faim et tu leur voles la seule nourriture qu'ils aient vue depuis des jours. Ouais, enfin, je l'ai vu le premier. Oh, le mec de la télé tout à l'heure. Hey, je peux avoir un autographe, t'as l'air d'être une star. Oh, je passe à la télé. Ah bah, je veux pas ton autographe, alors c'est moi la star maintenant. Hey, on me lance des cailloux. Hey, mais ça va pas, toi. Hey, connasse. Arrêtez. On me lance des pierres. Non. Je fuis le combat. Face à des pierres, c'est très honteux. Mais putain, hé, on va me tuer. Attends, moi j'essaye d'éviter des cailloux. C'est qui me tire dessus, là? Ah, c'est lui, l'enfoiré. Ça va, je te dérange. Oh, il est trop loin pour moi. Alors que lui, par contre, je suis pas trop loin pour lui, ça va. Arrêtez de me regarder comme ça, les civils, j'ai rien fait de mal. Bon, ok, je vous ai piqué votre burger, mais bon... C'était pour la bonne cause. J'avais faim. Ah, je peux pas lui sauver la vie à lui. Ah non, je peux pas encore. Parce qu'après, dans le jeu, on pourra leur sauver la vie. Et voilà, j'allais le tuer, mais... Ah bah oui, mais je peux le tuer. Viens ici que tu meurs. Allez, salut. Alors, attaquer des policiers vous-même ou tirer leur dessus. Si je leur tire dessus, c'est mal. De toute façon, j'ai pas envie de mourir, donc on va tous y aller. Ah non, j'ai fait une bonne action. Bah c'est pas grave, voilà, je suis un mec comme ça. Je suis un mec plutôt sympa. Attaque. Ouais. Et vous êtes nuls. On vous l'a déjà dit, ça? Ils sont morts? Ah non, il en reste un. Bim. Oh. Oula, c'est qui me tire dessus? Mais allez vous battre, vous. Hop là. Allez, toi aussi va te battre. Allez, on va se battre. Allez, on avance. Hop là, je suis un peu un équilibrationniste. Je crois que ça n'existe pas du tout. Donc là, faut tirer sur les petites bouboules rouges. Voilà, pour que ça descende. Et pour que... Oh, j'ai cru que j'allais mourir. Wow, franchement, voilà, ouais, j'ai cru que j'allais y arriver. Mais pas du tout, en fait. Au vu de vos performances dans la mission précédente, vous passez au niveau de difficulté difficile. Vous pouvez changer. Ah, mais voilà, mais même le jeu trouve que je suis trop fort pour lui. Il me fait passer à un autre niveau. Qu'est-ce que tu vas dire? Rien. Voilà, c'est comme ça. Presque tous les hommes peuvent faire face à Abraham Lincoln, quoi. Vous avez compris. Bon, on va aller faire une mission. Qu'est-ce qu'il y a comme mission sympa? Mysterio... Ah non, Mysterio. Mysterio, c'est encore un mec dans Spider-Man. Et je sais pas ce que j'ai avec moi et Spider-Man, c'est un truc de fou. Mysterio Signo, traînée de sang et urgence médicale. Et ben, on va aller faire urgence médicale. On verra bien ce que c'est. Eh, mais vous êtes revenus, vous lâchez pas l'affaire. Putain, mais vous êtes combien? Les faucheurs n'arrêtent pas de s'en prendre à ma clinique dans la rue. Pourquoi tu tournes autour de moi? Oh, le bâtard! Je vais lui casser la gueule. Regardez-moi ça. Attaque. Allez, vol, petit faucheur, vol. Wow. Je sais pas qui m'a fait ça, mais...
Attends mon gars, je t'ai vu. J'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie. Puis t'as un lampadaire. Ou une voiture aussi. Oula, il est descendu. Quoi ? Vos actions ont fait de vous une personne légèrement plus mauvaise. Mais j'ai rien fait de méchant là pour le coup, j'ai aidé des gens. Alors ça peut vous faire chier, mais je l'ai fait quand même. Alors monsieur, ça va pas ? Oh pardon. Ah oh, c'est pas toi que je voulais taper, je suis désolé madame. Relevez-vous. Brandon, le prénom le plus cliché des séries américaines ou d'autres. Wow, il y a du monde ici. J'ai... Oh, je suis mort. Eh, arrête de faire ton malin. Non. Wow, c'est un truc de malade. J'avais oublié que tout se détruisait. Enfin, ici en tout cas. Donc là, si j'appuie R1, j'ai... Ah bah, je peux que le guérir. Donc là, par exemple, c'est pour guérir. Mais je voulais pas te guérir, moi. Ah, mais c'est Brandon. Brandon, non, je m'excuse. Je savais pas que c'était toi. Oh, mais il y a du monde, en fait, ici. Bonjour. Oh, c'est des faucheurs, ça. Donc là, je peux entrave électrique. Donc je crois que je vais lui prendre son énergie ou un truc comme ça. Ou le tuer. Ah non, je l'ai capturé, d'accord. Ah mais non, mais moi je veux pas faire ça, moi, oh là. Moi je veux les tuer. On va... C'est des faucheurs, ces mecs. On va les tuer, hein. Donc vous êtes des civils, ça, vous êtes plutôt sympathique. Allez, dégage. Nous, assistance à personne en danger. Oui, bah écoute, je m'en fous. Effectuer une neurosuction. Eh ben, on va te neurosucer, mon pote. Ah non, bah non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon bah, on va pas te neurosucer, t'es mort, mais... Non, 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 non. Vite, vite, remonte, remonte. Non, arrêtez de l'électricité dans l'eau. Est-ce que ça tue vraiment? Je ne pense pas. Je pense qu'on en fait trop juste pour le jeu. Ah bah du coup on va le neurosucer lui. Viens ici. Neurosuçon. Yeah. Oh Brandon. Elle est morte. Ouvrez cette porte. Allez au diable. J'ai bloqué ce levier. Alors, à propos de ta femme, j'ai un truc à te raconter. Voilà, on va dire qu'elle est pas... elle pète pas la joie, quoi. Bon, ok, elle est morte. Mais je pouvais pas te le dire comme ça. Dites à Brandon que sa femme est morte ou tuez-le. Bah écoute, je pense que je suis une petite pute et je vais te buter. Allez, salut. Meurs, voilà. Mauvaise action. Mais non, je l'envoie rejoindre sa femme au paradis pour qu'ils vivent heureux. Je vois pas en quoi il y a de la mauvaise action ou autre là-dedans, je suis désolé. Oh, le courant est revenu. Et ça signe également la fin de la vidéo, donc moi j'espère que ça vous aura plu. Je pense que c'est pas très long, parce que j'ai pas joué des heures. Il y aura peut-être d'autres vidéos de Infamous, mais on verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Et pour montrer que je suis pas un enfoiré, on va le lupo sucer. Allez, viens là. Allez, salut tout le monde.